Mais combien d'étés qu'on passe ici? 3 ou 4? 4. Ils ont passé vite ces 4 ans, putain. Comme quoi, c'est des conneries quand on dit que c'est à cause de la vie d'abruti qu'on vient à Paris qu'on voit pas le temps passer. Lui, il reste 4 ans à mater les fourmis et trouve aussi que le temps est passé vite. Je ne sais pas si c'est un pitch, mais je sais ce qu'il y a dans les bonus. Il y a le making-of dans une version longue de 52 minutes, alors qu'on a vu sur les chaînes du câble une version de 26. Il y a ce que nous avons, il y a les scènes coupées, où il y en a pas mal. Il y a les perles de rush, c'est-à-dire les moments dans les rushs rigolos, où il y en a pas mal. Il doit y en avoir pratiquement une demi-heure. En particulier, il y a un moment très rigolo qui est les 23 prises qu'a fait Bernard Campan, sur une scène, où on voit comment un acteur peut souffrir quand il n'arrive pas à sortir son texte. Et il y a aussi deux documents où on voit nos quatre camarades chanter à l'Olympia. On les voit chanter les copains à bord. Là, c'était en 2007. Et puis on a remis le bonus qui était dans le cœur des hommes 1 dans certaines éditions, qui était un passage où ils chantaient Gunta Grand-mère à l'Olympia et dans une scène coupée. J'ai du mal à me rendre compte si c'est intéressant, si c'est pas trop soporifique. En plus, j'ai une voix un peu comme ça, donc je sais pas, j'aurai des échos, j'imagine. Les conditions, c'était que le scénario soit au moins aussi bien que le premier. Moi, je pensais qu'il pouvait être mieux, parce que c'était mon premier film, donc il y avait forcément des défauts que j'ai très, très vite identifiés, y compris au moment où je montais le film. Je savais très bien qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas, donc des fois on les coupe, des fois on les arrange. Mais c'est... Donc la difficulté, c'était comme les gens avaient aimé le premier, qui sortent pas en disant « Ah, je préférais le 1 ». Voilà, donc il fallait que ce soit, je voulais qu'il soit plus émouvant et plus rigolo. Je voulais monter les deux curseurs à la fois et donc prendre le risque d'un trop grand écart dans le mélange des genres. Mais bon, il faut bien qu'il y ait toujours un risque quand on fait un truc, enfin un petit risque. Donc c'était excitant. Cendrillon, j'ai été déçu, même si le coup du film faisait que depuis le début, je savais que ça pouvait nous arriver. Si c'était arrivé avec un film moins cher, j'aurais vraiment été très vexé. Là, bon, avec un film cher comme ça, 20 millions d'euros, bon ben voilà, vous avez besoin qu'il y ait des gens qui croient en votre projet. Là, c'était pas le cas, donc voilà, ben, vous le remettez dans votre culotte et puis voilà. Là, c'est pas possible. Putain, il se fait pas chier, Pépito. C'est du lourd, Pépita, hein? Du très lourd. Oh, là, là.